Voilà, répète-moi-les, là. OK? Un, je viens de Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Non, Lac-Saint-Jean. Non, Lac-Saint-Jean. Non, Lac-Saint-Jean. 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 OK, Lac-Saint-Jean. OK. Puis, j'ai 36 ans. Bon, ça, je le sais, t'as 36, je l'ai catché. OK, cool. Puis, je reste à Québec. D'ailleurs, j'ai été très surpris. Voilà, je reste à Québec, j'écoute ton beat en arrière. En tout cas, ça me fait plaisir que des gens de 36 ans écoutent mon beat en arrière. Calice! Yo! Voilà, c'est une Christie d'accomplissement, là, pareil, là. Ben là, franchement! T'imagines-tu, toi, le petit con du Québec, que là, il fait de la musique, puis là, il y a des femmes, des super belles femmes de 36 ans qui écoutent sa musique? C'est que, hein, pareil, moi. Oh, ouais, mais je pense pas être la seule fille qui écoute ton beat à je pense pas être la seule femme de 30 ans et plus qui écoute ton beat, là, genre que moi pour vrai, genre ouais, à part mon avocate puis la procureure qui a toujours rêvé de me mettre en prison puis qui en rêve encore. Ou... je pense que t'es oui, t'es la seule là. Yo, non mais pour vrai, genre moi, OK, je t'ai fait connaître à une couple de mes amis, là, genre. Une couple de filles qui ont 35 ans et plus, c'est ça? Non, ben peut-être pas 35 ans, mais pour vrai, toutes mes amies sont plus jeunes que moi, mais comme. À chaque fois que, genre, je connais quelqu'un, pis tout, pis qui connaît pas Nima, je suis comme yo, t'écoutes-tu Nima? Moi, j'écoute tout le temps ça parce que moi. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Comment t'as découvert ça, cette Christie d'Anima-là? Comment tu l'as trouvé? Ah, c'est quelqu'un qui me parlait. C'est quelqu'un qui m'avait écouté la première fois, la first time. Bon, ben, qu'est-ce qui est important pour nous? On veut savoir, c'est qui c'était quelqu'un-là? On s'en fout. Ok, c'était qui pour toi? C'est rien. C'est ça, c'est ton ex. Ouais, mais on n'a pas besoin. C'est lui, il t'a fait découvrir ça du Anima, toi. Ouais, mais comme, tu sais, comme l'album, moi, pour vrai, genre, OK, je vais te dire, OK, moi, l'album Réussir, ben, tu sais, comme le... Mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, l'album Réussir. Tu sais, lui, avec non, les... Non, j'ai pas d'album qui s'appelle Réussir, j'ai pas encore réussi. Chris... Oui, je sais duquel tu parles. Yo, de rien. On parle de ton beat à toi, là, c'est ça, tu me niaises, là. Ouais, de rien, c'est ça, là, je vais m'en rappeler, là. De rien, ouais, exactement, je m'excuse. C'est juste parce que moi, la chanson que j'aime le plus, c'est genre... Réussir, comme je l'ai abuse, cette chanson-là. Non, ma pute a une pute. Ouais. Comment c'est ça, réussir? Ouais, c'est là, oh, là. Peux-tu nous dire c'est quoi qui t'intéresse vraiment dans ce message-là? Comment? C'est quoi qui t'intéresse dans le... en tant que message dans cette chanson? Pour rien, genre, je pourrais même pas parce comme... que souvent, quand on aime une chanson, c'est à cause du message qu'elle nous transmet, tu sais? Toi, tu l'as juste aimé. Je sais pas, genre, c'est comme juste, je pense que c'est le titre. Le titre? Ben, genre, comme, qu'est-ce que tu dis dans la chanson, genre, c'est que ça fait que t'as réussi, genre, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est pour nous. Ben, toi, dans le fond, tu trouves ça cool? Quel connard comme moi trouve que d'avoir une pute c'est ça la réussite. Non, j'ai pas dit ça là. Ah non, mais je te demande. Moi, j'ai zéro dit ça là. C'est toi qui m'aide. Ouais, je te demande pas si tu fais quelque chose de ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas dans mes objectifs. Puis même si que tu ferais quelque chose de qui a rapport avec ça, ça m'intéresserait pas plus. Tu sais, on est des personnes qui se parlent, qui se rencontrent sur Instagram Live, puis on est deux humains qui se parlent. Là. Il y a aucun lien prostitutionnel entre moi et toi, puis il n'y en aurait jamais. OK? Donc, je veux juste que tu m'expliques. Qu'est-ce qui te fait aimer d'entendre un Christie d'arabe chanter une chanson qui dit « Moi et ma pute, on a une pute, c'est ça, réussir. » Je veux juste comprendre, c'est de la curiosité pour moi. Pour vrai, genre, je pourrais même pas t'expliquer, genre, comme, je sais pas pourquoi j'ai vraiment aimé cette chanson-là, genre,
Mais ouais, les paroles, ok, chill, c'est juste de dire que pour toi, c'est ça réussir. Moi, genre, c'est ça qui m'a accroché. J'aime le beat de la chanson, genre, comme c'est comme. Ouais. C'est beau, genre. Moi, je veux comprendre comment tu as pu relate avec ça. T'as-tu déjà eu une pute qui avait une pute? Juste savoir, c'est une question. Ah non, si j'ai. Non, attends, là, attends. Donc, comment t'as pu relate avec ça? Comment t'as pu trouver ça cute qu'un gars qui parle d'avoir une pute, qui a une pute? Non. Pour lui, ben, c'est ça la réussite. Non, mais pour vrai, genre, si je te disais qu'est-ce que je fais dans. Hey, commence pas à trop suer, puis tout là. Si tu veux, je te nettoie la sueur, puis tout là. Puis que je t'amène une serviette, puis tout, tu m'envoies un message, OK? Comme ça, je vais avoir une autre pute qui a une pute. Non, mais pour vrai, genre, non. Ça, c'est... Non, je fais des blagues pas drôles. Je voulais juste te mettre mal à l'aise un petit peu, là, puis... Si je te ça dis... a marché. Ouais. Ben ouais, t'es bon. Bravo. Ça, c'est la première étape d'avoir une pute qui est une pute. C'est de prendre la première pute puis de la mettre mal à l'aise. Ah, OK. Même si que c'est pas une pute. Ouais, mais moi... Je fais que des blagues. Calme-toi, relax, respire. Respire, expire. Yo, hey. C'est juste des blagues. Non, mais yo. Non, mais... Au contraire, ça me fait vraiment plaisir que. Ça me fait vraiment plaisir que t'aimes qu'est-ce que je fais. Puis c'est vraiment gentil de ta part. Puis pour moi, c'est très gratifiant d'avoir des gens comme toi qui me supportent. Mais merci, c'est gentil. Puis tout le reste, là, c'était juste des blagues. Faut pas que tu capotes. Ouais, yo, hey! Je sais, là, moi, là, genre... Mais si t'es une pute, puis que t'as une pute, ben, on pourrait faire une super équipe de putes ensemble. C'est pas le problème. T'es con, hein? Non! Yo, hey! C'est ça que t'as aucune idée à quel point... Non, mais moi, genre... Tu sais quoi qui est plus drôle là-dedans? Quoi? C'est que j'ai pas de pute. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Tout ça, c'est vraiment... C'est comme un acteur. Tu vois un acteur qui joue dans le rôle d'un film? Ouais. Il n'y a rien qui est vrai là-dedans. Quand tu le rencontres dimanche matin, là... Sûrement, il va au boulanger comme toi, puis il achète du pain, puis... C'est une personne super normale, tu comprends? Ouais. C'est juste des blagues, inquiète-toi pas. Je voulais pas te brusquer, là. Genre, moi, je suis chill, hein. Je veux dire, moi, je suis contente de te parler, parce que, genre... Je sais que t'es chill, t'es rousse. Toutes les rousses sont super chill avec tout. Sont super chill avec tout ce qui arrive dans la Terre. Les rousses, c'est des aventurières. C'est quoi? C'est des aventurières. Des aventurières? Ouais, c'est comme un aventurier, mais tu mets ça en féminin, tu sais. Ouais, non, comme aventurier, genre, c'est comme... Ouais, les roues, ils aiment ça, les aventures, tabarnak. Non, mais Chris, je suis pas rousse dans la vraie vie. Oui, t'es rousse à Chris, hey, tu veux-tu... Hey, gars, tes cheveux, là, ils ont la même couleur que mon Hennessy, tabarnak. Comment tu veux, t'es pas rousse? Non. Non, mais t'es super rousse, super douce. Ouais, ça dépend. Ouais. Wow, sors-nous pas les lunettes en plus. Ouais, mais tu sais, quand tu vieillis, là... Ouais, je sais c'est quoi vieillir, inquiète-toi pas. Comment ça te sentir, là, gars? Ouais. Wow. Mais, c'est plus comme... C'est comme ma vue qui, comme... drop un peu, là. Hum? C'est juste ma vue qui drop un peu, moi. Juste ta vue, tu grossis pas au moins, c'est correct? Non, je suis pas... Moi, si je serais une fille, j'aurais préféré grossir des yeux. Comment? Et grossir du ventre. Si t'étais quoi? Si j'étais une fille, j'aurais préféré grossir des yeux que de grossir du ventre. Puis là, arrête de boire de l'alcool de cette manière-là. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand on boit un verre, on le boit pour avoir du plaisir, on relaxe, tu vois, on prend une gorgée comme ça, regarde.
Ok, puis moi, qu'est-ce que je fais? Toi, t'as fait ça. Non, moi, j'ai. Mais non, j'ai fait ça demain. Tabarnak. Bon. Yo, what's the yo. Hey, là, j'ai des amis qui me taguent, genre, sont comme yo, là, je suis live, là. Je comprends pas. Est-ce que j'ai fait de quelque chose de pas correct? Non. T'as rien fait de sérieux. Tu vois, tes amis sont jalouses parce qu'ils remettent à ta place en ce moment. Non, c'est des gars. Oui, ils remettent à ta place aussi. Yo, hey, est-ce que je peux. Est-ce que tu vas. Veux-tu m'inviter à ton prochain. Peux-tu, genre, participer à ton prochain vidéoclip? Je veux pas être dans ton vidéoclip, moi. Je veux, comme, assister, genre, ou ça, à un de tes enregistrements. Juste, tu m'invites. Ok, tu veux participer à mon vidéoclip, mais tu veux pas être dedans. Non, je veux pas participer. Je veux pas être une de tes bitches dans ton vidéoclip, là. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec une de mes bitches? C'est pas péjoratif, une de mes bitches, hein. C'est peut-être une des meilleures choses qui peut arriver avec une Québécoise. À une Québécoise de la classe moyenne d'être une de mes bitches. C'est pas mauvais, là. Le Québécois moyen, il n'y a pas 10 000 piastres dans son compte. Non. Il n'y a pas une de mes bitches qui n'a pas moins que 100 000 piastres dans son compte. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif d'être une de mes bitches. Non, mais c'est pas ça que je t'ai dit, là. C'est ça, on se comprend pas. Moi, dans le fond, non, mais on pourra se comprendre plus tard si on se parle en privé, mais oui, tu peux continuer ta phrase. Non, moi, qu'est-ce que je veux te dire, c'est que, genre, moi, j'aimerais ça comme... Moi, je trouve trop chill, genre, j'aime trop ton beat, ta musique. Qu'est-ce que je veux te dire, c'est que moi, j'aimerais ça comme être là quand t'enregistres une chanson ou comme quand tu fais une vidéo, genre, je veux voir comment ça marche. Je veux juste être là. Ouais! Bon, ben... Je vais parler avec mon manager, puis je vais essayer de faire un financement pour la prochaine fois que je tourne un vidéoclip. Pour qu'on puisse faire un tirage, pour qu'une de nos fans puisse être présente. Puis je vais dire qu'il y a une petite rousse du Québec qui nous a donné l'idée. Puis je vais dire, ben on pourrait tout ça lui donner la première chance de vouloir venir participer à un vidéoclip. En plus, ça va te permettre de voir que je ne suis pas une personne méchante. Je ne suis pas le Christ cave que LCN te donne des informations, puis elle me fait paraître pour là. Moi, c'est sûr que moi, plutôt, on pourrait aller manger au McDo ensemble, là, puis on peut avoir bien du fun. Sérieusement, je suis pas tant une grande fan de McDo, genre. Moi, j'aime là. First, je suis presque vegan, fait que so... Même si t'es pas une grande fan de McDo, je vais style pas t'inviter dans un super restaurant vegan 5 étoiles pour te faire plaisir. Je vais t'amener au McDo, tu vas t'asseoir sur la Christy terrasse, puis si tu manges pas, ben tu fermes ta gueule et tu bois un coke. C'est pas pour être méchant, c'est juste des gens comme nous, on est comme ça, nous. C'est quoi nous? C'est qui nous? Hein? C'est qui nous? Nous, les gens avec des grands cœurs. Nous, les gens qui s'en foutent de l'image, qui s'en foutent que ce soit le McDo ou le restaurant Michelin. Nous, les gens qui peuvent se payer n'importe quoi qui peut apparaître. Mais qu'on s'en calisse de ça à la fin de la journée, on préfère rester dans notre quartier puis aller manger un croissant. Moi, tu me ferais choisir. J'irais pas au McDo, genre, je me tends, j'irais plus au Tim Hortons. Parce que, genre, au moins, je préfère. Voilà, ben c'est ça, nous. Ouais. C'est ça, nous. On peut s'acheter du caviar, mais on va au Tim Hortons chaque matin, c'est ça. Qu'est-ce que c'est bon, Tim Hortons, là? En plus, si on est capable d'avoir des rousses avec nous autres, là, pour faire ça, là, hey, c'est genre le meilleur des deux mondes. Parce que les rousses. Déjà, c'est connu. Sur toute la planète, c'est les filles les plus cochonnes du monde. Ça, tu peux pas dire que c'est le contraire. Ouais, mais... Non, mais... Ouais, mais non, mais Chris, tu peux pas dire ça de même live, là. C'est whack, là. Ouais, c'est sûr que devant 1000 personnes, c'est whack, là. C'est un peu whack, ouais. Mais tu vois, regarde, au moins, il y a 1000 personnes en ce moment qui se sont imaginées que t'étais une crise de cochonne. Ouais, mais ça me tente pas. Non, je sais, c'est pas grave. Dans la vie, il arrive pas toujours des choses qui nous tentent que ça arrive. Comment? Dans la vie, il arrive pas toujours des choses que ça nous tente que ça arrive. Hey, Chris, non. Des fois, il arrive des choses que ça nous tente pas. Ça arrive souvent qu'il arrive des choses que ça nous tente. Ouais, très, très souvent.
Ouais, souvent, trop souvent, genre. Vrai? Ouais. Trop souvent, je sais. Comment ça me tente pas d'être ici en ce moment? Ça me tente d'être chez nous, au Québec. Mais tu peux pas revenir. Oui, je vais revenir. Je peux revenir. Je vais revenir un jour. Mais Ouais. pour le moment, pour l'instant, le fait que je sois pas là, ben ça manque. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai envie de manger, moi, chez Ben et Florentine, là, comme que je faisais chaque matin, puis tout. T'as envie d'aller au Morton, comme je t'ai dit tantôt, là. Ben ouais, man, j'ai envie de manger au Christ de belle province, le gros. Le petit hot dog, là, il manque en tabarnak. Oh, ouais. Les frites. Les frites. Oh ouais, les frites du belle province, la poutine du belle province, toi. Mais, genre, quand tu viens à Québec, genre, faut que tu ailles au... faut que tu ailles au... pour si tu vas avoir une poutine, faut que tu ailles au Ashton. N'inquiète pas, je connais bien Québec. La mère de mon enfant, elle vient de Québec. J'ai mon petit gars qui arrive, qui vient de Québec, puis je connais bien Québec. Mais Montréal, c'est une autre histoire. Ouais, non, moi, Montréal, pour vrai, genre, mais pour vrai, comme, tu sais, j'ai pas de, tu sais, je suis comme, je suis pas de préjugés ou quoi que ce soit, mais comme, moi, je voudrais pas aller rester là. Pour vrai, Québec, je trouve ça chill, genre, comme Tu place. voudrais pas rester à Montréal? Non, je suis bien ici, genre, je trouve ça chill, c'est tranquille, puis comme, ça me va, genre, tu comprends? T'habites où à Québec? Ouais, mais ça fait 3 ou 4 fois que je te le dis, là. Écoute, peux pas me juger à cause de mes troubles de mémoire. J'ai des problèmes psychologiques, j'ai des troubles de mémoire. Non. J'oublie carrément ce que je viens de faire il y a 30 secondes. Fait, tu peux Ah, pas m'en vouloir là-dessus, là. mais Ouais, ça ça, c'est des. Comment qu'on appelle ça? C'est des handicaps. Fait que si tu me juges, c'est parce que tu juges les handicapés. hey, c'est des handicaps. Yo, hey gars, arrête de Ben me. oui, parce que c'est un handicap de perdre la mémoire. Est-ce que t'as ta petite pancarte là, tu sais, là, comme sur ton auto, est-ce que t'as un truc handicapé pour te parquer, genre, à côté des trucs handicapés? Yo, t'es fucking pas handicapé, là. Arrête de me niaiser, là, ok? T'es juste comme trop def. Bon, le seul pancarte que j'ai là, par rapport à mon handicap, ils sont pas à côté de mon char, ils sont à côté de mon compte bancaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste comme def, puis un peu, t'es juste comme def, puis un peu sous, là. Ça veut dire. Vraiment pas. Non, t'es flambant Je peux neuf. te parler demain matin à 9 h du matin. C'est pareil. Puis je vais me réveiller après avoir pris une douche, puis je vais style pas me rappeler de ce que j'ai fait il y a 10 minutes. C'est un handicap. Là, tu vois, tu es en train de me juger à cause de mon handicap. C'est ça que tu es en train de faire en ce moment. Hey, c'est là qu'il handicap, là. C'est ça que tu fais. Tu es en train de me juger à cause de mon handicap. Non, c'est pas que l'handicap. Mais Bon, cheers. cheers. Hey! Quoi que tu bois ce soir? Mais là, je bois du vin Du blanc. vin jaune? Ouais, du vin jaune. Du vin blanc. C'est quoi ça? C'est une copse. Une police. Oh. Ah, elle a l'air fine. Merci, t'es gentille. Ah oui, t'es C'est super fine. En tout cas, enchanté de t'avoir rencontré ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. vrai. Ouais, les gens trouvent que j'ai de l'air. Je trouve ça fin, genre. Tu trouves ça fin que les gens étaient trop fines? Mais je veux dire, je trouve ça chill que les gens ils disent que j'ai de l'air gentil parce que je suis Ben oui, comme. t'as pas juste de l'air, t'es super gentil en fait. Ben ouais. Puis moi, je suis enchanté de t'avoir fait ta connaissance. Hey, moi aussi, hey, sérieux, moi je suis trop contente d'avoir parlé, genre, je suis comme Ben wow! ouais, puis je te souhaite une super belle soirée. Tu suis là, le Kenima! Yo! Hey, Yes, sir, man. sérieux. Si tu viens à Québec, pour vrai, comme. C'est un gars de Québec, moi. Faut que tu. Genre, pour rien, genre, faut que. Écris-moi quelque chose de genre. Si tu viens à Québec, faut qu'on chill ensemble, là! Bon, mais c'est quoi ton nom? Marie Garneau. Ouais. Marie Garneau.
Je vais m'en rappeler. Je suis trop contente. Où tu viens à Québec, tu l'es ici, là. Bon, je vais faire ce qui est en mon possible. Un jour, quand tu vas pouvoir revenir, tu viendras, tu l'es ici. Mais oui, 100%. OK. Enchanté, Marie. Passe une bonne soirée. Hey, merci, toi. Je te souhaite une bonne année. Merci. Salut. Bye. Bye.